Et bienvenue sur votre plateau, les Boss Ladies Show. Yes. Je suis le pasteur Grace et nous sommes sur Évangile TV. Et ce soir, nous allons encore parler d'un thème très, très, très intéressant. Et comme d'habitude, je suis entourée des Boss Ladies. Il y a près de moi Marie-Alexandra. Yes. Hello, hello. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, oui. Voilà. Comme dit souvent l'apôtre, tout dépend de l'heure à laquelle exactement. Vous regardez. Exactement. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Voilà, alors, bonsoir. D'emblée, nous vous invitons à partager ce lien, voilà. Oui. À inviter un maximum de personnes. Voilà, je crois que la famille de Marie-Alexandra est connectée. Oui, alors ma famille regarde. Fais les big up à ta famille. Alors, big up. Alors, on va commencer par mes cousines, les essentielles. Voilà, je vous big up. Merci de me soutenir dans tout ce que j'entreprends dans la vie. Merci du fond du cœur de regarder cette émission. Et merci on dirait un discours des Grammys. En fait, la manière qu'elle parle, j'ai envie d'être une essentielle. On dirait pour qu'on me parle comme ça. Un discours de Grammys. Alors, je tiens à remercier mon père, ma mère, ma soeur. Amen. Mon cousin, un jour, n'est-ce pas? Oui, en fait, je m'entraîne. Non. Tu t'entraînes avec les essentiels. Je m'entraîne les avec anciens, vous les avez essentiels. Vu voilà. Voilà. C'est quoi ce truc? Les essentiels, en fait, on a un groupe. Les huiles essentielles. Mais vraiment. Non, c'est juste qu'on a, trop de cousins et cousines chez moi, donc on a un groupe de préférés comme ça. Ah, les vieilles. Les élus. Les cousines essentielles. Voilà. Les essentiels. Ok, ben, coucou les essentiels de la famille de ma mère, Alexandra. Bonjour les essentiels. Voilà. Et à part donc la cousine des essentiels, nous avons la cousine. Non, la sœur des environs. Ouais. Salut tout le monde. Salut les environs. On dirait une dynastie. Ben voilà, c'est, ouais, ça. C'est ça. Oui, on est nombreux sur Terre. Bienvenue Daphné, comment tu vas? Ben je vais très très bien. J'espère que toi aussi et vous aussi. J'espère que vous allez ouais, bien. Non, ça on va bien. Ouais, c'est bien. Ça va. Mm-hmm. J'ai beaucoup aimé les émissions. Qu'on a fait dernièrement, là, ouais. Les émissions des dernières semaines, c'était vraiment très intéressant. Oui. Tel que j'ai suivi, parce que moi, je suis hein, les émissions. Bien sûr, bien, il faut. Voilà. Oui. Je les regarde, parce que c'est trop intéressant. Mmh. Et j'ai aimé le thème qui a été abordé la semaine dernière. Et j'ai aimé aussi le thème, en fait, qui va être abordé justement la semaine où ben, j'ai reçu sur ce plateau encore une fois. Grâce Mélodie et Grâce Mélodie et reviens encore, c'est quoi, c'est la troisième. Welcome back. Au bout d'un moment, voilà, les choses sont faites. C'est ça, ok, désolée. Au bout d'un moment, ben voilà. C'est une évidence, c'est ça. Il faut accepter l'évidence. Okay. C'est ça. Okay. Ben, nous avons accepté l'évidence, en tout cas bienvenue sur ce plateau encore une fois. Mais on a fait une très très belle émission, celle de la semaine dernière, et c'est vraiment génial. Top. À replay. Tip top aux oignons. Ok, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? C'est un thème. Ce que les jaloux ne vous diront pas. Hé! Il y a les jaloux dans la vie. Ah oui. Malheureusement. Vous avez rencontré des jaloux, n'est-ce pas? Vous avez forcément fait une expérience, vous avez rencontré des jaloux. Oui. Oui, ou peut-être que pas peut-être c'était vous les jalouses. Oh non. Que Dieu m'en garde. Non. Alors moi, je sais que j'ai des défauts comme tout le monde, mais l'un des défauts que je n'ai pas, et je suis sûre que je ne l'ai pas, c'est la jalousie envers les autres. Mm. En tout cas, envers la réussite des autres. C'est bien. Je suis contente et c'est tout. Ouais, voilà. Mm. C'est bien ça. Mais c'est j'ai rencontré une jalouse vraiment cette fois. Moi, j'ai toujours pensé que, en fait, je suis tellement. Mais j'ai toujours pensé ça de moi. Je suis tellement focalisée dans moi et ce que je fais moi que je n'ai pas le temps. En fait, je pense que je n'ai pas le temps d'être jalouse parce que je n'ai pas le temps de regarder. C'est ça, tu vois. Ah, mais ça, c'est bien. Hein.
Ouais, mais c'est un peu un défaut parfois. Tu sais, on m'a reproché le fait de pas trop m'intéresser à ce que les autres vont forcément faire. Peut-être un peu, on peut dire, ah, t'es égocentrique parce que t'es très concentrée mais sur toi. Mais je suis focalisée en fait. Ah, mais c'est clair que si tu dis ça en entretien, ils vont te dire, non, excusez-moi, trouvez-moi un vrai défaut. Voilà, tu vois, parce que quand on fait les entretiens, non, c'est vrai. Alors, quel est votre défaut? Défaut, qualité, qualité défaut. Je suis perfectionniste. Hein. Ouais, c'est pas en fait, je suis trop focus sur ma tâche. Exactement. En fait, j'ai les défauts de mes qualités. Non, mais c'est sympa. Mais vraiment, très honnêtement, même si j'étais pas focalisée ou que j'étais complètement en train de flopper dans ma vie, je n'ai jamais eu cette jalousie envers la réussite de quelqu'un. C'est ça. Ça peut être l'envie de réussir autant que la personne, mais c'est pas du tout dans le sens où mais je l'envie tellement que il y a quelque chose de mauvais et tout. Non, j'ai jamais été comme et ça. Et puis là où les jaloux sont même pas intelligents, c'est que ils jalousent une personne alors qu'ils sont pas capables peut-être de payer le même prix que la personne en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, parce que parfois on sait pas par quoi la personne est passée pour en arriver là. Donc nous on voit juste le résultat, mais maintenant le chemin, le prix à payer, est-ce qu'ils sont capables d'en arriver là en fait? Est-ce qu'ils sont capables d'accomplir les mêmes choses? Mais parce que très souvent on va et la Bible dit quand même que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. C'est ça. Donc, très souvent, on va s'attacher finalement au succès qui est visible. Les yeux. Ouais, les yeux. Et ça pousse à pécher. Et je vais vous raconter une anecdote sur la jalousie. Quand j'étais plus petite, je faisais de la gymnastique et j'étais arrivée à mon cours de gymnastique du mercredi après-midi avec un nouveau pantalon. Super joli et tout. Et toutes les copines m'avaient dit « Ah, il est beau ton pantalon !» Il y a une fille qui était jalouse de moi à la gym. Mais elle était jalouse de, voilà, de la manière dont je faisais et tout. Et cette fille m'a volé mon pantalon. Ça veut dire qu'à la fin du cours, j'avais pas de pantalon pour rentrer chez moi. Ça c'est. Je suis rentrée sans pantalon. Et je vous dis. Attends, comment sans pantalon tu rentres? Non, je suis rentrée sans pantalon parce que quand tu fais la gym à l'époque. Non, mais t'as un juste corps. Donc tu es rentrée en juste corps. Donc t'as un body. Ben non, en fait, la prof, elle a vu que j'avais pas de pantalon. Elle m'a dit, je peux pas te laisser rentrer chez toi toute seule. J'avais quoi, 10 ans? Elle m'a dit, je te raccompagne jusqu'à chez toi. Et elle m'a attaché son pull autour de la taille. Et j'avais pas de pantalon dans la rue. Ça, c'est le haut niveau de la mais parce que la fille jalouse m'avait volé ce pantalon. Et attends. Et je savais au bout du compte qui c'était parce qu'elle était trop bizarre. Ok, est-ce qu'un jour elle a reporté ce pantalon devant toi? Tu vois, le problème c'est que j'étais tellement naïve que j'ai pas fait attention. Parce que tu peux reporter le pantalon et puis tu as oublié que tu l'avais volé. Non, mais c'est pas possible. Parce que c'est pas possible. J'ai cherché partout, il n'y a pas de pantalon. Je suis rentrée chez moi sans pantalon. La fille a des histoires. La jalousie. Quand même. Destin a toutes ces histoires. Non, souvent, je me dis, mais elle a vécu sans vie. C'est pas mais des fois, je pense à ça, je me dis, mais Seigneur, mets-moi au moins sur le chemin de la personne pour qu'on puisse se régler. Tu vas lui prêcher l'évangile? Ben, je lui ai demandé, mais est-ce que t'es fière de toi? Tu sais que je lui posais la question. Elle est rentrée sans pantalon. Mais c'est dangereux. Ça heureusement que ce prof était là pour m'aider, pour m'apporter cette sécurité. Vous imaginez une fille de 10 ans qui rentre sans pantalon? Enfin, bref. Merci beaucoup, Daphné, pour tes anecdotes incroyables. Franchement, dans cette émission, Daphné, elle a toujours des exemples. Ouais. Je ne sais pas où elle vit, comment elle a vécu sa vie, surtout son enfance, parce que c'est souvent dans l'enfance qu'il y a des choses cachées là-bas. Qu'elle fait des expériences comme ça. Mais enfin, bref. En tout cas, aujourd'hui, vous savez, l'idée, ce n'est pas simplement aussi de dénoncer. Nous, on n'a pas le ministère de la dénonciation. Oui. J'aimerais simplement rééquilibrer un peu le débat. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas aussi le ministère de la dénonciation. Amen. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de dénoncer les jaloux, mais en fait c'est quand même de parler de on va dire de certaines maladies qu'on va retrouver particulièrement chez les femmes, mais aussi en fait c'est aussi pour t'aider toi premièrement à avoir du discernement par rapport à ton entourage et deuxièmement à ne pas être la personne qui est de l'autre côté, justement en fait te protéger parce que dans cette quête en fait du succès, dans cette quête de la réussite, tu seras forcément confronté à des personnes qui réussissent plus que toi, qui arrivent mieux que toi. Tu seras forcément confronté à des personnes il y en aura une qui va être première et toi tu vas être deuxième en fait. C'est la vie et c'est pas la fin du monde. Et j'ai l'impression que même tu vois même parfois les chrétiennes en fait le fait qu'on dise tu seras la tête et non la queue. Et on entre en fait dans cette espèce de compétition très très une compétition malsaine où en fait
on vise à être la tête, mais à toujours écraser les autres. C'est pas pour ça que Dieu nous positionne à être la tête. Moi, je crois qu'un leader, en fait, n'écrase pas les gens, il les entraîne avec lui. Yes, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Voilà, donc quand on dit je serai la tête et non la queue, il s'agit pas de marcher sur les gens pour y arriver. Il s'agit justement d'apprendre à devenir, à être ce leader qui va aussi entraîner d'autres personnes, qui va aussi les influencer justement pour qu'ils deviennent eux aussi la tête et non la queue. Oui, c'est vrai. Et ça fait une chaîne de têtes. Oui, c'est vrai. Plusieurs têtes comme ça, plop. Plusieurs têtes. Ça fait c'est possible. Ça fait une chaîne de têtes, une chaîne de premier. Et puis, dans l'émission précédente, et je pense même que c'est Grace Mélodie qui l'a dit, non, c'était pas Grace Mélodie, c'était Inès qui l'a dit, qui a dit que, en tous les cas, même si Dieu nous appelle à être la tête, chacun a son couloir, en fait. Tu vois, c'est l'objectif, c'est que voilà. Dans ton domaine, exactement. Tu sois la tête, tout simplement. Sois la tête dans ton couloir. Oh, qu'est-ce que les jaloux ne vous diront jamais quand ils vont voir ce que vous faites. Ne vous diront jamais ça. La première chose que j'ai remarqué, que les jaloux ne disent pas, c'est « Ok, Daphné, tu m'inspires. » Ou « Ce que tu fais, Malex, m'inspire. » Ou « Grâce Mélodie, voilà, je t'ai vu quelque part et ça m'a inspiré. Comment tu as parlé m'a inspiré. » Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est incroyable que tu parles d'inspiration parce que j'allais justement dire qu'une personne qui est jalouse manque d'inspiration. Ah ben oui. Mais oui, c'est que t'es pas... En fait, t'es pas inspirée. Ça pique. Mais Daphné... Mais c'est vrai. Normalement, quand tu regardes quelque chose que tu aimerais accomplir, ça doit te donner de l'air frais dans ton cerveau, dans tes neurones, dans les fils là. Ouais. Ça doit normalement apporter un vent frais qui te permet d'ajuster c'est les ça idées. L'inspiration, c'est quand l'air arrive c'est quand l'air rentre et après tu as une idée. C'est ça et qu'après, tu vois, comme dans les dessins animés, ça s'allume comme ça, bing, 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 et tu as une idée. Je pense ça. C'est comme ça que ça se passe chez toi. C'est-à-dire que tu es là et puis bing, 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 et ton cerveau est rafraîchi. Ouais. Et là, tu as les idées qui arrivent. Waouh. Mais c'est puissant ce que tu viens de dire. Une personne jalouse, c'est une personne qui manque d'inspiration. Ou qui n'est jamais satisfaite aussi parce qu'elle peut être inspirée. Elle peut avoir des bonnes idées, mais elle va dire que « Oh non, pourquoi moi j'ai cette idée ? Je veux l'idée de Daphné. » C'est vrai. Donc c'est ça peut être aussi une personne qui n'est pas satisfaite et qui ne sait pas se satisfaire justement de ce qu'elle a. Oui, c'est une personne aussi voilà, qui n'est pas visionnaire parce que peut-être que cette idée que tu vois petite, elle est amenée à grandir et peut-être à dépasser l'idée de Daphné en fait. Oui, c'est tu vrai. Donc pour moi, un jaloux est insatisfait et pas visionnaire. Oui. Wow. Je dirais aussi que c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Parce que... Non, mais pardon. Et grâce, Mélodie, tu veux encore revenir Mélodie, c'est la vérité. De la douceur. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui a trop de temps à faire. Parce que si tu as le temps de toujours de... Oh, Daphné, si je veux faire comme elle. Oh, mais non, mais c'est mieux ce qu'elle fait Malex. Oh, mais non, parce que grâce, elle fait ça. Ça veut dire que en fait, t'es pas concentré. Normalement, si tu es focalisé sur tes trucs, sur tes dons, tes projets, tes talents, en fait, t'as tellement pas le temps d'aller gratter chez les autres que tu vas juste, tu vas constater qu'un tel, il fait ça, tu vas t'améliorer et tout, mais tu vas toujours rester dans ce que toi, en fait, tu as à faire. Mm-hmm. Donc, si t'es jaloux, c'est que, pardon, tu es au chômage. Mais ça fait mal à la personne de dire tout simplement que ce que tu as fait m'inspire parce qu'elle a l'impression que ça lui enlève sa valeur à elle. Mmh. Vous voyez, moi je pense, déjà la valeur pour moi ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Mmh. C'est quelque chose qu'on décèle, qu'on accepte et qu'on met à disposition pour avancer ou pour l'avancée des autres, ok ? Mais une personne jalouse, c'est une personne qui quantifie sa propre valeur, qui estime du coup qu'elle est maigre ou que c'est peu. Mmh. Et du coup, si moi je dis à Pasteur Grâce ce que tu as fait m'inspire, c'est comme si j'enlève la petite portion de miel qui reste et je te la donne et du coup je ne reste avec rien. C'est pour ça que la personne ne parvient pas à te dire que ce que tu fais l'inspire. C'est parce qu'elle pense que ça la dépouille elle-même. Moi je vais parler aussi dans l'autre sens. Vous savez, il y a des gens aussi qui ne vous disent pas que vous les inspirez parce que vous êtes arrogant. C'est vrai. Non, parce que certaines personnes... Oui, non, c'est la vérité. Certaines personnes, en fait, elles font les choses bien. Oui. Mais parfois, tu as envie de lui dire, elle m'inspire. Mais quand tu vois son attitude, tu te dis, non, je ne vais pas rajouter encore de son arrogance. Non, là, un peu plus de sa fierté. Parce qu'il est tellement fier de ce qu'il a fait, tu vois. Tu es tellement fier de ton accomplissement, de ta réussite. C'est comme quand on dit, en fait, comment dire, attends que ce soit les autres qui viennent te... congratuler, qui te félicite. Attends que ce soit les autres qui viennent te dire « Oh, bravo !» Et au lieu d'être tout le temps... Parce que je comprends au nom
de la confiance en soi, de s'encourager soi-même. Alors, on se donne des paroles valorisantes. Moi, tout le monde me connaît ici. Hein, je me donne des paroles valorisantes. Mm-hmm. Vous voyez. Mais c'est en vrai. Fait, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême. C'est ça, il faut être équilibré. Hein. Et empêcher aux autres, finalement, de venir te dire bah, « Merci, tu m'as inspiré. Mm-hmm. » Et c'est impossible de dire à une personne qui est arrogante, pardon du mot, mais c'est fort, mais c'est bien, tu dois l'entendre. Mmh. C'est impossible de dire à une personne, tu m'as inspiré, alors que tu vois déjà, voilà, l'attitude qu'elle affiche, en fait. Ça n'aide pas, en fait. Mmh. Ça n'aide pas, parce que finalement, au lieu de te dire, enfin, je sais pas, moi, si je me dis, j'ai réussi quelque part, je me positionne en tant que leader. Et comme je dis, un leader tire les autres, en fait. Mmh. Mais si tu es arrogant, tu ne vas tirer personne. En fait, tu vas juste tirer profit de la gloire juste pour toi-même, alors qu'en réalité, le but, en fait, pour moi en tout cas, le but de la réussite, c'est aussi d'amener les autres à réussir. Donc, quand maintenant, les gens ont envie d'être comme toi, entre guillemets, et que toi, tu te glorifies, Mais là, tu parles de leadership et c'est intéressant. Et en même temps, je pense que c'est une position très sensible. Parce que le leader, quel que soit le domaine confondu, il va avoir une vision assez panoramique des personnes qu'il encadre. Il apprend à les connaître et il cible. Ouais. Ah, elle a ou il a telle dont telle aptitude et il peut en être jaloux aussi. C'est parce qu'on occupe une position de leadership qu'on ne peut pas être jaloux des autres. Tu vois, un leader peut aussi éprouver de la jalousie envers les personnes qui le suivent lui, qui lui font confiance à lui et qui le forment. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'en vérité, ce n'est pas seulement le leader qui inspire, même si un leader est supposé inspirer, influencer, impacter, mais en fait, un leader peut aussi être inspiré par... tu peux être inspiré par ton employé. Oui, c'est ça. Tu peux être inspiré par la personne qui est justement en dessous de toi. Oui. C'est toi le leader, mais la personne qui est en dessous de toi va avoir une idée. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Exact. Et là, j'aime l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus se retrouve là avec la foule, ils ont fait des séminaires, ils ont marché, ils ont prêché, ils ont tatata. Et les disciples viennent voir Jésus pour dire « Maître, la foule a faim. Oui. » La foule a faim. Et Jésus va mais nourrissez-leur vous-même. Mmh. Vous voyez pourtant, la foule, les disciples ici sont quand même des leaders, tu vois. Jésus va leur dire « Nourrissez-les vous-même. » Ils ne vont pas trouver la solution. La solution va venir d'un petit garçon qui va venir avec ses pains et ses poissons, en fait. Tu vois. Et en fait, les disciples auraient pu dire plein d'orgueil. On va cacher ses pains, on va cacher ses poissons. Mmh. Jésus ne doit pas voir ça. Et ça, on le voit même dans le milieu du travail. Oui. Quand tu n'es pas chef et que tu fais quelque chose de bien, il y a parfois des chefs, des managers, des responsables qui vont venir comme pour couvrir ton travail. Mmh. Exactement. Et prendre la gloire du travail parce que c'est toi qui l'as fait, dire « Oh, c'est moi qui l'ai fait. Oui. » Ils ont le titre ou la position. Je pense que dans les deux cas, c'est important en fait, de savoir dire à l'autre « Merci, tu m'as inspiré. » Et je vois cet exemple qui n'est pas forcément dans le cadre professionnel, mais de maman. Quand vous entendez leur discours, parfois elles vont dire « Ce sont mes enfants qui m'inspirent, ce sont mes enfants qui me poussent à être meilleure, ce sont mes enfants qui sont ma source de motivation. » Pourtant, les enfants, ils sont juste des enfants. Ils sont en dessous, mais à tous les niveaux. Ils sont totalement dépendants de leur maman ou de leur papa. Mais c'est en eux que le parent va trouver la source de motivation et l'inspiration pour être encore meilleur. Donc voilà, une position de supériorité n'empêche pas de pouvoir apprécier ce qui vient d'autrui. J'ai une de mes mamans qui disait ça en plus récemment, cette semaine, qui avait une conversation avec ma mère, et elle lui disait « Mais nos enfants, en fait, quand ils nous parlent, il faut qu'on les écoute. » Et ça m'a touchée quand elle a dit ça. Ça m'a vraiment touchée parce que du coup, c'est aussi une façon de reconnaître qu'elles nous ont bien éduquées finalement, tu vois. Et donc, elles apprécient les fruits. Donc, c'est pareil, même quand on est en entreprise ou voilà, quand tu sais que tu es là, tu as un employé ici, si tu l'as formé et qu'aujourd'hui fait bien son travail, il faut pouvoir apprécier le fruit de ce que tu as investi. Exactement. Même en amitié, en fait, tu vas peut-être tirer ton ami d'une certaine façon, mais quand tu vois que ton ami réussit, du coup, elle arrive à un certain niveau, il faut apprécier le fruit plutôt que d'être arrogant et d'empêcher justement cette personne de revenir vers toi pour peut-être en apprendre encore davantage, quoi. Et je vais aller un peu plus loin, même dans ce qui est business, toutes les personnes qui lancent un business, il y a ce qu'on appelle le feedback. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui ne donnent pas de feedback tout simplement parce que, mais qu'est-ce qui se passe? Es full of yourself. Ouais. Tu comprends? Tu es full of yourself. Tu es trop fier de ton produit. Tu es trop fier de ton service. En fait,
tu ne peux pas être fière de ton produit, de ton service, au point où, en fait, ceux qui testent ton produit ne peuvent rien dire. Ouais, parce que ceux qui testent ton produit doivent pouvoir te dire... Toi, tu vas dire, oui, oui, ça va t'enlever cette tache sur, sur la peau. Mais moi, j'ai essayé, ça ne m'a pas enlevé la tache sur la peau. Et puis, tu crois même que les autres sont jaloux de toi, alors que c'est toi qui es juste... Quand ils vont te faire un feedback en te disant... Voilà, quand ils vont te faire un feedback en te disant, oui, mais en fait, là, par exemple, dans le produit, il y a telle chose et telle autre qui n'allait pas. Il faut avoir le recul, en fait, de se dire, ah ouais, ok, ouais, tu vois. Je me souviens, il y a une émission qu'on avait faite ici à Evangelist, je pense que je l'avais faite avec une invitée. Et donc moi, je vais regarder les commentaires parce que j'aime bien répondre aux commentaires. Mm-hmm. Je préfère être en contact avec les gens. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit oui, et c'était une critique constructive. Mm-hmm. J'ai bien aimé l'émission. Cependant, par contre, la musique, elle était trop forte, etc. Mm-hmm. Même si au-dedans de moi, je sais que cette histoire de musique trop fort, c'est assez subjectif, parce que d'autres personnes ont dit « Ah, mais non, c'était correct et tout », j'ai quand même répondu à la personne, en fait, merci. Premièrement, merci pour la remarque, on va vérifier où est le problème. Et j'ai demandé à d'autres personnes « Comment tu as trouvé ? Est-ce que la musique était trop forte au-dessus ?» En fait, je veux dire, pour t'améliorer, tu as besoin que les gens te fassent un feedback. Oui. Tu as besoin que les gens te disent, ok, ce que tu as fait, c'était bien. Mmh. Et en fait, c'est pas parce que ils vont te dire le contraire que ça veut dire qu'ils sont jaloux de toi. Oui, en fait. C'est ça. Mais justement, l'inspiration, c'est lié à le fait d'être humble, parce que si tu n'es pas humble, tu vas pas réussir à t'étirer encore plus. Et même, je dirais que le fait d'inspirer, ça s'évalue pas par soi-même, mais par ton degré d'impact des autres, en fait. Parce que totalement. Ce que je constate, c'est que c'est pas toi-même qui va te dire « Ah, j'inspire, ah, j'ai réussi », mais c'est surtout ce que les gens, ce que ça va produire chez les autres qui va te montrer que tu as vraiment réussi à influencer. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux personnes là qui font des business ou des entreprises, la seule manière de voir que tu réussis vraiment, c'est quel est le degré d'impact que j'ai chez les gens. En fait. Qu'est-ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas là? Qu'est-ce que les gens disent? Il y a un message qui m'a touchée. J'ai l'habitude de recevoir des messages, mais c'est vrai que la semaine dernière, ça m'a un peu touchée parce que c'était pas forcément mon intention. J'ai fait une photo, un selfie de moi que j'ai publié. Il y a une jeune fille qui m'a écrit et deux autres messages qui allaient exactement dans le même sens. Et ce sont des mots qui reviennent souvent. Waouh, Pasteur Grace, quand je te vois, je vois la joie et je vois de la douceur, en fait. Et ça me donne envie de me rapprocher de Jésus. Ça, c'est pas des choses que je ne dis pas ces choses-là. Pourtant, quand je regarde ce que les gens m'écrivent en privé, et là, c'est pas des commentaires, parce que nous tous, on peut avoir des commentaires. Hein. Ah, t'es trop mignonne, tu es trop jolie. Wow. Moi, je m'arrête plus sur ces commentaires-là. Vous voyez, elle en a plein. Trop belle. Non, c'est pas juste que j'en ai plein. Je suis consciente de ma beauté. Alléluia. Somebody praise the Lord. Amen. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu renvoies qui rapproche les gens de leur but, de leur objectif? C'est vrai. Exact. Tu vois, en l'occurrence, moi, je suis pasteur. Heureusement qu'il faut bien que ça rapproche les gens de Jésus. C'est vrai. Et pas d'autre chose. Ah, oui. Mais qu'est-ce que tu fais qui rapproche les gens de leur but? Et je pense que si tu le fais continuellement, tu recevras en fait aussi beaucoup de retours des personnes qui vont te dire, voilà, tu m'inspires, etc., etc. Ok, let's go. On va avancer un petit peu. Oui. Le troisième. Non, deuxième. Ça va vite. Ouais, ouais. Ça veut déjà finir l'émission. C'est compliqué, là. Même si on parle d'accélération. Vraiment. Ils ne te diront pas que tu gères. Tu gères, c'est tu assures. Oui. Tu gères, c'est bien. Tu gères, c'est... c'est aussi le... Tu sais, le commentaire. Le commentaire de... Ah, waouh, pas mal, en fait. Et j'ai remarqué un truc sur les réseaux sociaux. Les gens... en plus tendance à mettre un like qu'à mettre un commentaire avec ce qu'ils pensent réellement. C'est vrai. On va parler de ça. Alors déjà, moi, je dirais que gérer, c'est même un cran au-dessus d'inspirer. Parce que quelqu'un peut t'inspirer, mais il n'a pas de concret. Alors que quand on dit que tu contrôles, tu gères le game, ça veut dire que concrètement, il y a, et même pécuniairement parlant, il y a ce qu'il faut, en fait. Il y a les résultats. Hein? Il y a les résultats qui sont présents. C'est évident comme le nez au milieu de la figure. Mais ils n'osent pas te le dire, quoi. Ouais. Et je dirais, pourquoi est-ce que les gens n'osent pas toujours? Je pense quand même, au-delà simplement de la jalousie, il faut aussi savoir prendre les remarques. Parce que je constate aussi sur les réseaux sociaux, notamment, que les personnages publics,
n'aiment pas non plus qu'il y ait des commentaires qui n'aillent pas dans leur sens. Commentaires négatifs. Les gens me disent tout le temps, est-ce qu'on peut supprimer. Parfois, il faut laisser. Bon, moi j'ai une théorie personnelle. Je pense que les commentaires qui sont d'ordre, qui sont insultants, un caractère haineux, raciste, voilà, etc. haineux, insultant, raciste, un rapport avec le physique de la personne ou la vie privée de la personne ou un caractère physique de la personne que l'on critique, je pense que c'est pas intéressant. Tu vois, je pense que ça, on peut supprimer. Maintenant, si c'est plus des commentaires du genre la personne elle aime pas et puis après elle écrit tout un tas, ça la regarde. C'est comme les gens qui il y a quelqu'un qui était venu me traiter de sorcière sur un poste. J'ai regardé le poste, j'ai rigolé, je suis passée. Pourquoi sorcière? C'est à cause de quoi, ton maquillage ou quelque non, chose? Non, c'était une vidéo du méga GR et je crois que je priais pour quelqu'un, personne tombait sous l'onction il est venu dire la sorcellerie, magie, d'accord. religion de je sais pas quoi. D'accord. Je me suis dit, ouais, c'est bien toi, c'est bien. Enfin, je veux dire, parfois, il faut juste se dire, ok, good, quoi. Tu vois, tu connais pas les gens en plus personnellement. Ça, c'est vraiment quand tu es ancré dans ce que tu fais, tu as conscience que tout le monde ne va pas forcément approuver ce que tu vas faire. Et c'est aussi accepter en fait qui on est et accepter que les gens aussi ne soient pas toujours d'accord avec ce que tu fais. Et c'est encore une Il y a le volet où ils sont pas d'accord et il y a aussi le volet où en fait ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ouais, oui, tu vois. Ah, non, mais ça, c'est bien ça. Non, mais parce que ça m'agace. Tu comprends rien. Et comme celui qui t'a traité, il ne sait même pas de quoi il parle, mais le jour où lui-même l'onction va. Ah, alléluia. Bien. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que les gens n'ont pas la connaissance de la chose, donc ils critiquent parce qu'ils ne savent pas de quoi est-ce qu'il s'agit, en fait. Et puis, ils deviennent jaloux pour rien. Mais pour rien, au lieu d'aller poser la question humblement, pasteur. Ça demande de l'humilité. Ça demande de l'humilité pour dire, waouh, pas mal. Et c'est-à-dire que même dans le milieu chrétien, ça demande de l'humilité pour dire à l'autre, et on peut le voir, hein, entre les églises, il n'y a pas... Enfin, je veux dire, les différentes dénominations, il n'y a pas forcément cette humilité de se dire « Waouh, comment tu as fait pour faire grandir ton église ?» ou « Comment tu as fait pour telle chose ?» Ah, il y a telle chose qui est vraiment jolie, enfin, qui est très, très bien dans ton... Comment tu as fait, en fait ? Mais en fait, c'est là où on peut voir qu'on ne peut pas jouer au plus spirituel que Dieu parce que, en fait, c'est des fléaux qui vont affecter tout le monde, des fléaux qui vont affecter et les chrétiens, et les non-chrétiens, et une boss lady... Et la servante de Dieu à l'église, des fléaux, mais où tu peux pas dire, par exemple, nous, on est chantres. Ah, toi aussi, tiens. Ah oui, elle aussi. Bienvenue. Vraiment, bienvenue. Vous avez dit, nous, on est chantres. Il y a tout un pupitre, là. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Nous, on est chantres, mais elle est aussi chantre. C'est une ténor. Elle est aussi chantre. Oui, c'est vrai. Mais bon, après, nous, avec l'expérience, moi, il y a des choses que j'ai vues en tant que responsable des chants. J'ai vu, en fait, des filles aussi se jalouser, tu vois. L'autre a conduit la louange, tu sais, seulement là, t'as le visage serré comme ça, pendant toute la louange. Mais pourquoi tu serres ton visage? Loue le Seigneur, ma sœur. Alors, tu arrives à un bon moment, parce que ce qu'il y avait avant, c'était chaud. Les filles se battaient pour le micro, mais il fallait voir. Oh là là. Je me rappelle là, un truc là. Non, laissez d'abord. Je ne donne pas de nom, mais je me souviens des trucs. Et puis, c'était toi et quelqu'un d'autre, tu vois. Je t'avais demandé d'être au micro. Tu sais, il y avait une masquoire, je t'avais demandé d'être au micro. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Finalement, c'était l'autre personne qui était au micro, tu vois. Et tu lui avais laissé la place. Et moi, je dis, mais pourquoi tu lui as laissé la place? Après, je t'ai rappelé, tu es venu devant. Et l'autre était là, comme ça. Ça fait mal au cœur. Elle ne comprenait pas. Pour ne pas être jaloux, il faut poser des questions. Comment as-tu fait pour avoir tel résultat? Comment fais-tu pour gérer autant? La personne va te dire qu'elle se lève à 5 heures, qu'elle jeûne autant de temps, qu'elle ne fait pas ci ou plutôt qu'elle fait ça, qu'elle étudie. Et tu vas voir que ta jalousie va vite partir. Elle va aller chercher plus facile ailleurs. Non, mais en fait, on n'a rien sans rien. Et je suis désolée, là, on parle de la louange et de... Mais est-ce que vous savez ce que ça coûte d'être conducteur de louange? Est-ce que vous savez l'énergie que ça demande? Pour, par exemple, ne serait-ce que cela... C'est pour ça que j'ai préféré être responsable des chants. Mais voilà, en fait, l'énergie que ça demande, même rien que pour conduire la louange, c'est...
ça demande énormément. J'ai passé des années à conduire la louange et franchement, quand je suis devenue responsable des choses, j'ai dit je ne vais pas rajouter ça. Hein. Ça voilà, va aller pour mon petit filou. Donc c'est comme ça que j'ai parti. Bien sûr. Non, mais ça demande énormément. Non, c'est ça demande. Voilà, donc il faut poser des questions aux gens. Poser des questions, les jaloux. Osez vous approcher des personnes que vous jalousez. Sans leur tendre de piège. Ne sois pas jaloux. Mais posez des questions et vous allez avoir vraiment des réponses qui certainement dépasseront votre propre idée de ce que vous faites de la réussite. Mais exactement. Ça nécessite tellement d'humilité. Ça demande de l'humilité. Et il ne faut pas croire que l'humilité, c'est quelque chose d'acquis ou d'inné ou de simple même à faire, en fait. L'humilité, c'est vraiment cette où tu t'oublies toi-même et tu décides de t'humilier. Mais comme tu le dis, c'est une décision. Ouais. J'aimerais vraiment qu'en tant que chrétien aussi, nous ne soyons pas charismato-planants. En pensant à non mais c'est-à-dire t'es dans les airs toi, c'est-à-dire charismatoplane. Voilà, toi t'es là-bas. Mais ce que je veux dire c'est voilà, l'humilité c'est une décision. Tu décides soit mais terre à terre. Daphné, on moi va j'ai pas envie d'aller plus loin. Oui mais je veux parce pas qu'on s'accrapise tout. Normalement rien. C'est quoi? Normalement si tu es si charismatique que ça, l'humilité c'est aussi un fruit en fait de l'esprit. Exactement. Qui doit pouvoir se manifester. Donc après ça dépend de ce qu'on appelle charismato-planant, ça dépend de ce qu'on appelle être hyper spirituel. Si tu es hyper spirituel, l'humilité doit pouvoir suivre. Parce que sinon, qu'est-ce que tu allais chercher dans l'esprit si ce ne sont pas les fruits de l'esprit? Mais oui, mais les fruits de l'esprit c'est quelque chose de concret. On parle de l'amour, la joie, la paix, la tempérance, c'est des choses concrètes. Il faut être concret. Et l'humilité aussi, c'est une décision concrète, qui fait mal par rapport aux émotions, je l'accorde, mais c'est quelque chose de concret. Ça me fait penser à, sur les réseaux sociaux, le fléau des influenceurs. Mm-hmm. Tout le monde voulait devenir influenceur à un moment donné. On dit créateur de contenu. Alors attention. Qu'est-ce que tu dis là? Vrai, eux ils disent qu'ils sont créateurs de contenu digital. Avant qu'on les appelle créateurs de contenu, on les appelait influenceurs. Oui, mais il y a aussi ces personnes qui voulaient être influenceurs. Pas forcément. Mais oui, tu n'es pas obligé de créer du contenu. Nous tous on est créateurs de contenu. Après tout, c'est pour. Mais regardez, quand le scandale des influenceurs à Dubaï a éclaté, le métier a perdu, non? Il a perdu. Parce que est-ce que éclat. Tout le monde était prêt à manger ce qu'ils ont mangé là-bas non, là-bas? C'est ça. Non, ce que tu dis, c'est pertinent. Mais oui, parce que on veut les mêmes choses, on jalouse les gens, mais on ne sait pas par quoi est-ce qu'ils sont passés. C'est ça, poser des questions. Voilà. Donc on voit les filles dans les chambres, elles sont caca comme ça et tout, mais vous savez pas ce qu'elles ont fait avant ou ce qu'elles s'apprêtent à faire. Exactement. Quand elles sont en train de faire parfois même story, si tu poses la question, parce que même poser la question ne suffit pas, parce que si tu poses la question, s'il y a un scandale comme celui-là, la personne ne va pas te répondre. C'est vrai que donc, ça, je on pense, va pas dire. Je pense que d'emblée, de toute façon, il ne faut pas jalouser ce que l'autre a. Et il ne faut pas désirer ce que l'autre a. C'est important de savoir qui on est, de savoir où tu vas, pour que tu restes focalisé sur ce que Dieu t'a donné. Parce que, comme l'exemple que tu as donné, ben, si la personne te dit, OK, d'accord, tu veux ce que j'ai, ben, fais tel sacrifice. Est-ce que tu vas le faire? C'est ça, en fait. Est-ce que tu es capable de supporter et les sacrifices et les scandales qui sont attachés, en fait, à tout Mais ça? Quand tu entendras, justement, la liste des sacrifices, est-ce que tu jalouseras encore? Il y en a, ils sont déterrés. Il y en a, ils sont déterminés. On peut dire, je suis jalouse qu'elle ait réussi à faire ça parce que là, moi, j'ai pas le courage, c'est vrai, t'as raison. Je suis jalouse qu'elle ait pu demander ce sacrifice. Mais la jalousie, c'est une maladie quand même, c'est une maladie de l'âme, c'est une maladie. Justement, et si tu connais son sacrifice, tu vas être encore plus jalouse. Non, pourquoi moi, j'ai pas eu cette opportunité comme elle de faire ce sacrifice? Non, arrête. Tu es malade, tu as une maladie. Tu as besoin d'être soignée. Non, mais parfois, les gens n'aiment pas les réponses. Tu sais, là, pendant ma dernière formation, les gens me demandaient, mais comment tu fais pour manifester autant de joie? Tu es toujours zen, etc. Je dis, bon, premièrement, c'est Dieu. Ah, toi aussi, tes trucs sont trop compliqués. Voilà les réponses. C'est vrai. Ouais, mais toi, non, c'est, mais moi, quoi? Oui, c'est Dieu, en fait. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est vrai. C'est mais ma source de la joie. Question que je me pose, c'est d'où est-ce que viennent vraiment les origines de la jalousie? Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a des Satan gens. Satan! Ils sont jaloux, mais ils savent même pas que eux-mêmes, ils sont jaloux. D'où vient la jalousie? Satan, le diable! C'est le chétan! Si nous reprenons la parole, c'est ce qu'il dit, je vais le monter. Mais oui, c'est lui. Avant que la rébellion n'arrive dans sa tête, c'était d'abord la jalousie. Parce qu'il a vu Dieu, il a dit, moi Dieu, aussi je peux. Moi aussi je peux. Tu as vu, il donne les ordres, les anges obéissent, il dit ceci, il dit cela. C'est comme certains aspirent à des postes élevés juste par jalousie, tu vois. Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Lucifer était magnifique.
C'est ça. C'est que des fois, tu peux avoir toi ici. C'est ça, en fait, de ça. C'est dommage ce que Dieu a mis. Bon, c'est pas dommage toi. Pour lui, hein. Lui, c'est trop tard, mais vous comprenez, j'ai pas de compassion pour lui. Mais quand on regarde l'histoire. Seigneur. Non, lui, c'est trop tard. Mais c'est quand on repense à tout ce que Dieu avait déposé en lui et la fonction qu'il occupait, c'est juste. Ouais, je ne comprends pas. Et ça, en fait, ça crie aussi, ça montre aussi, en fait, à quel point beaucoup de personnes ignorent totalement, ne savent pas ce qu'il y a au-dedans d'elles. Ouais. Et au début, Malex en parlant en disant, parfois tu as une chose, mais tu ne sais pas que ça va t'emmener là-bas. En fait. C'est vrai. Tu ignores que tu ça va t'emmener là-bas. Voilà. Et tu vois l'autre briller, mais tu ne vois pas toi comment tu brilles. En fait, tu n'es pas consciente que tu es aussi la lumière. Ou si tu ne l'es pas encore, que tu es amenée à devenir une lumière. Il y a une chanson comme ça de Sina, j'aime bien, qui dit... je suis une merveille, peu importe ce que tu vois maintenant. Hey, moi, je vois sa gloire, car je sais qui je suis. Et en fait, c'est fou parce que souvent, jalouser les autres, c'est mépriser finalement ce qu'on est et ce qu'on a et ce que Dieu a mis au-dedans de nous, en fait. Si tu es jaloux, que le Seigneur te délivre de la jalousie au nom de Jésus. Ok, on va passer à un autre conseil. Et ça va dans le même sens, hein. Ça va dans le même sens. Ce qu'on ne te dira pas, c'est dis-moi comment tu fais. Et voilà. Now, show. Poser des questions. Maintenant, explique-moi. Maintenant, explique-moi la voie. Maintenant, montre-moi ce que tu as fait. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Maintenant. Et là, encore une fois, ça va dans l'humilité, mais je crois que c'est plus deep que simplement poser des questions, parce que tu peux poser une question, apprendre une chose et rester endurci. Oui, c'est vrai. Or là, montre-moi comment tu fais, c'est je suis disposée à apprendre, à faire pareil. Un cœur pour apprendre. Oui. Voilà. En vrai, c'est l'attitude, parce que je pense que tu peux aussi poser ce genre de questions, mais avec des motivations mal intentionnées, et souvent tout à fait. Plus rabaisser la personne tout à fait. Et avoir un droit de regard dans le sens où tu vas dire ah, mais t'as fait ça comme ça, mais moi j'aurais pas fait ça comme ça. Le moi je n'aurais pas fait comme celui-là aussi hein, il est pas très bon, bizarre hein. Il est malade. Moi je n'aurais pas fait comme ça là, c'est aussi diabolique hein, parce que la vérité, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, est-ce que tu es à ma place? En fait, et la vérité, c'est que très souvent, on veut parler de ce que les autres font. Je ne suis pas contre les conseils constructifs, mais très souvent, on veut parler de ce que les autres font comme si on était à leur place. Est-ce que tu es à ma place? Est-ce que tu es capable de porter mon fardeau? Est-ce que, et j'aime bien cette phrase que j'ai dite une fois un matin, comme ça, et je me suis dit, oh my God, je suis inspirée. Oh my God. Et en fait, je ne sais plus, je crois que c'était dans le cadre des chantres, bref, j'ai dit que la couronne est toujours lourde sur la tête, en fait, elle est toujours plus légère sur la tête de la personne qui ne la porte pas. Elle a toujours l'air belle sur la tête de la personne qui ne la porte pas. Je me rappelle. Mais elle est lourde sur la personne qui la porte. Parce que quand tu vois une couronne, et ça c'est vrai, hein, les couronnes que les vraies couronnes, pas la couronne de Sarcelle Saint-Denis que tu as acheté. Pas ça. Une vraie couronne, d'accord, constituée de diamants, de pierres précieuses et voilà. C'est lourd. En fait, ça pèse sur la tête. Et c'est fou parce que les princesses étaient entraînées à porter la couronne et à marcher avec la couronne. C'est vrai. Et on ne se rend pas compte comme ça, mais si tu vois quelqu'un faire cet exercice-là, ça te paraît, bon, c'est simple, c'est joli, ça brille, elle met le truc et elle marche. Alors que non, c'est un poids, en fait, et que tu ressens sur ton cou, quoi, tu vois. Mais tu sais, je pense aussi que c'est parce que les gens sont envieux des positions que les gens occupent, mais pas du cœur. Ils sont envieux de la position, pas du cœur de la personne qui brille dans sa position. Et je pense qu'on a un excellent exemple dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est entre Élie et Élisée. Parce qu'il va dire, je veux le cœur. Il ne parle pas du fait qu'il veuille sa position de prophète en chef ou de grand Manitou, de la prophétie, de je ne sais pas quoi. En fait, il lui dit, je veux le cœur. Je veux le cœur. Donc, lorsqu'une personne ose dire « montre-moi comment tu fais », en réalité, au-delà simplement de la routine ou la discipline qui accompagne le succès, c'est que la personne est prête à recevoir le cœur de la personne pour réussir. Et les personnes jalouses demeurent dans la... En fait, elles demeurent superficielles. Elles veulent le titre simplement. Où est ton cœur?
ça. Non, mais parce que pour moi, pour être en vieux à ce point-là, il ne faut pas avoir de cœur, justement, où c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. On lui a enlevé. Non, mais on lui a enlevé. Bah, où c'est parti. Attendez. Elle a déposé le cœur. Elle a déposé quelque oui, part. Pour choisir la jalousie. Oui, voilà, c'est ça. À cause des mauvaises expériences, ou parce que depuis, elle galère, donc son cœur est resté dans la galère. Bah, oui. Donc maintenant, quand elle vient vers toi, elle veut juste ta position, mais pas le processus qui ouais, va avec. Oui, c'est ça. C'est ça, pas l'esprit qu'il y a derrière et tout ça, en fait. Donc, une personne jalouse, c'est une personne aveugle. Daphné, tu as vraiment pris un bel exemple. C'est un enseignement comme ça que j'ai fait le dimanche à l'église lorsque je méditais la parole de Dieu. Il s'agissait ici de l'histoire justement d'Élie et Élisée. Mmh. Et puis le maître va s'en aller, il va monter, il va mourir, hein, il va rejoindre le Seigneur, tout ça. Et Élisée va prier son maître de rester, il va tout faire pour que son maître reste et tout. Et puis à un moment donné, il va lui demander en fait la double part, la double portion. Mmh. Et je disais en fait quand j'ai fait cet enseignement que... En grandissant dans la vie chrétienne, j'ai eu l'impression que la double portion, c'était la double onction. Oui. Tu vois, la double dose de l'onction. Mmh. Et très souvent, quand on enseigne que cette partie. Je pense que c'est une vérité, mais au travers de mes méditations, j'ai découvert que c'était pas la totale vérité, en fait. Mmh. Et parce que ça fait du coup que les chrétiens recherchent la double portion. C'est-à-dire, oh, impose-moi les mains, je veux ce que tu as dans ta vie. Oh, fais telle chose, je veux le double manteau, la double portion. Et pendant que je méditais en fait ce passage biblique et que j'ai commencé à lire en fait justement le verset en anglais, Élie ne parle pas de portion ou d'onction, Élisée plutôt, il dit my life repeated, tu vois, your life repeated in my life. Ça signifie ta vie répétée en la mienne. Et dans d'autres versions, c'est ton cœur répéter dans mon cœur. En fait, et ça prouve ici que en fait, il voulait le cœur, le cœur de son maître. Il ne voulait pas juste l'onction. Il voulait la capacité de gérer l'onction. Exactement. Tu vois. Et c'est ça en fait. Je pense que chacun d'entre nous, on doit avoir cette humilité de dire, ok, je veux apprendre le comment. Et oui, tu vois, c'est ça. Parce que le cœur, c'est le comment. C'est ce qui fait prospérer même. D'un point de vue stratégique, c'est ce qui fait prospérer une entreprise. C'est ce qui fait c'est ça. Son cœur, c'est sa raison d'être, c'est sa raison de faire, c'est ça. Qui fait que on aime plus une entreprise que 15 000 autres. C'est ça. Ah. Une entreprise qui n'a pas de raison d'être réelle va finir par fermer en fait. Voilà. Donc il ne s'agit pas juste d'aller vendre des perruques. Or. Voilà. Mais ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est aussi l'histoire de l'entreprise. Oui, les oui. gens s'intéressent à l'histoire, donc du coup, ils vendent des émotions finalement. C'est ça, en gros. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, donc oui, en réalité, tu peux trouver deux mêmes produits dans deux entreprises différentes, mais ce qui va te faire choisir cette entreprise et pas l'autre, mais c'est l'émotion qui est dégagée, c'est l'histoire, c'est le contenu, le cœur en fait. Oui, le cœur. Il y a le comment, il y a le pourquoi. Tu dois savoir pourquoi tu te lances et tu dois savoir comment en fait tu vas mettre en place ces choses-là. Parce qu'au final, s'il faut que tu inspires d'autres personnes, à un moment donné, tu devras aussi, transmettre, déposer, impacter les gens, en fait, produire aussi chez les autres, finalement, ce que Dieu a produit en toi, en fait. Oui. Donc, voilà. Oh, ça y est. Mais non, j'avais un autre exemple. Vas-y, Daphné, s'il te plaît. Prenons l'exemple de Anne et Pénina. C'est un excellent exemple, n'est-ce pas? Parce que c'est deux femmes qui ont le même mari, Elkana. Et moi, quand j'imaginais Elkana, je me dis, mais j'aimerais avoir un... Non, je veux pas un mari comme lui parce qu'il est polygame. Non, j'arrête. Moi-même, j'allais dire, oui, je veux un mari comme Elkana parce que... C'est quelle prière? Il est bien et tout, mais je veux pas de lui. Il aime aussi Pénina. Ouais, non. Je veux pas. Mais vous voyez, Pénina, elle donne des enfants, elle a une descendance, elle a, voilà. Ce qui fait qu'une femme fonctionne, hein, d'un point de vue purement rustique. Mais c'est rustique de se dire qu'une femme, elle est top parce qu'elle a juste des enfants. Quand elle dit rustique, je pense aux potatoes. Pourquoi les potatoes? Parce que les potatoes, elle est rustique, là, tu connais pas. Ça m'a fait penser au fromage. Au fromage, bah, les potatoes. La raclette. Bon, vous comprenez que c'est vraiment très reculé comme idée. Mais Pénina, et moi j'imagine que c'est une belle femme, trop jolie, qui a des grossesses, mais le corps devient tout de suite bien ferme et tout. Une trop jolie fille. Mais malgré tout, elle est jalouse et elle mortifie l'autre. Elle est jalouse et elle mortifie l'autre. Alors que... Madame, que Dieu te délivre de la jalousie, ma soeur. Si tu es jalouse, va méditer cette histoire.
sois libre au nom de Jésus. Parce qu'au bout du compte, on parle de Anne et Samuel, on parle plus de Pénina. Qui sont les enfants de Pénina? Oui, vraiment, Pénina est passée où? C'est vrai. C'est le pasteur Paulette qui a dit, est-ce qu'on entend parler des enfants? Même ses enfants, c'est qui? Inconnu au bataillon, on les connaît pas au quartier. Elle a accouché tout ça pour rien. Mais c'est ça. Elle a souffert dur. Elle a fait tout ce bruit là pour rien. Oui, elle était dans le bruit, elle n'était pas concentrée. Elle a accouché, elle a même pas consacré ses enfants. Voilà. Elle a fait du bien, elle a fait galérer. Mais ça c'est quand tu n'es pas focalisé sur ton couloir et que tu commences à regarder ce que font les autres et ce que tu fais finit par mourir. Mmh. Alors est-ce que tu peux déclarer après moi au nom de Jésus? Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Ce que je produis, prospère. Je vois la manifestation de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai la faveur d'en haut et la faveur d'en bas. Je suis bénie au départ, à l'arrivée, au nom de Jésus. Favorisée dans toutes mes entreprises. Je chasse tout esprit de jalousie de mon cœur. Je ne suis pas jalouse parce que je prospère à tous égards. Comme prospère l'état de mon âme, au nom de Jésus. Amen. Alright. Ben merci beaucoup les filles pour ce plateau très dynamique. Merci pour cette invitation. Merci. Les filles, merci beaucoup. Les essentiels. Merci les essentiels. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez soutenir Évangile TV par un don en cliquant simplement sur le lien qui est en dessous du player. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Mouah. Ciao, bye bye. Bye bye. Bye.